Yo tout le monde, c'est Tamir. Aujourd'hui, on se retrouve sur un déballage d'un robot aspirateur de la marque Ultenic. Donc, c'est le D5S. Donc, il est connecté Wi-Fi, compatible avec Amazon, nettoyage efficace, programmation. Donc, tout ça, on va le déballer et voir ensemble ce que ça ressemble. Donc, voici le déballage Ultenic, donc du petit carton. La petite mousse de protection. Les petites notices plus la petite brosse de nettoyage, donc du classique. On va mettre ça de côté. Le petit bac d'aspiration. Hop. Donc voilà, 300 ml. Il ne s'ouvre pas. On rentre l'eau là-dedans. La petite notice d'utilisation. La mousse, là par contre, elle est assez sympathique. Alors ça doit s'ouvrir normalement, hein. Voilà, ça s'ouvre. Ils l'ont vachement bien conçu. J'ai déjà eu du coup le Prosonic 830T qui est à peu près, qui est exactement pratiquement pareil. On a le bac de lavage, donc voilà le bac de lavage, on met de l'eau, hop, et puis on a un petit bac du coup d'aspiration, enfin du coup de la poussière, on peut la vider sans que ce soit problématique. Donc Prosonic le 830T, ils auraient dû penser à ça aussi, c'est vrai que c'est sympathique. Donc cet aspirateur, du coup, on peut laver puis aspirer en même temps, c'est vraiment pas mal du tout. Là, franchement, rien à redire, c'est vraiment pas mal. Ok, par contre, là, c'est un petit peu plastique. La qualité ici est un petit peu plastique, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ce produit coûte 219 €, donc un petit peu moins cher que le Prosonic 830S, ou TT, il me semble. Excuse-moi. Donc voilà, vraiment pas mal. Là, franchement, déjà rien que là, c'est vraiment bluffant, c'est vraiment incroyable. Quoi. Là, franchement... Je pense qu'on va rentrer sur du bonne qualité, de la bonne qualité. Donc voilà, une petite bande magnétique, donc classique, je sais pas combien de mètres, mais c'est correct théoriquement. Donc là, des petites 3 mètres. On va laisser dedans un petit filtre de rechange, pas mal. Ok, la petite prise secteur pour brancher le dock de chargement qui est du classique aussi, hein, au final. Hein. Hop, on va déballer. Voilà. Donc la spie vient se mettre dessus, hop, ça charge. Ici, des petites serpillères de plus. Hop. Donc ça, faut sortir, on va en avoir besoin. La petite télécommande qui est vraiment pareil que l'aspirateur Bagot que je vous ai déjà présenté. C'est exactement pareil. Donc cet aspirateur-là, c'est un mix entre Prosonic et Bagot. Là, des trucs qui ressemblent, donc c'est un petit peu, je pense, du générique. Bah, je ne sais pas trop. Oh, ok, donc des petites palmes. Donc il y en a deux, s'il n'y en a pas sous le bureau, sous le robot, et deux en plus de rechange. Je sais pas si vous voyez, vous le verrez. Donc voilà, je vais les mettre de côté. L'aspirateur a l'air pas mal. Punaise, pas mal l'aspi, pas mal. Il a l'air d'être vachement léger. Enfin, vachement. Pas mal. Là, cette matière là un petit peu je sais pas c'est quoi cette matière, mais c'est pas mal encore, c'est pas mal, franchement ça reste correct. Donc voilà le petit bac actuel, donc du classique aussi. Hop, le petit bac, on l'ouvre je pense en appuyant comme ça, voilà, il est tout propre. Ok, le petit filtre en mode transparent, c'est vraiment pas mal. Donc c'est le filtre que j'ai regardé. On va regarder le dessous, un petit peu comment c'est fait. Donc on va remettre le bac. Voilà. Alors du coup voilà la spi, donc les petites roulettes, le petit bouton on off, on va l'éteindre. Donc il a 1, 2, 3 capteurs de vide. Donc ici les trucs de chargement, la petite bande de rechargement. Ici pour mettre du coup les brosses, donc la pas de sens, la pas de R, de L, donc la pas de droite, de gauche. Bon, c'est pas grave. Ici la petite brosse, je pense que c'est un point quand même assez important, assez sympathique. Donc voilà, la petite brosse. Hop. Et je pense qu'une partie des plus importantes aussi, c'est de l'allumer, de voir comment on le connecte et tout ça, une fois que j'aurai réussi. Voilà, hop. Donc
A priori, je l'ai allumé tout à l'heure, il avait l'air d'avoir de la batterie. Donc, on va voir ça après. Donc, non, voilà, il est en train de charger depuis à peu près une dizaine de minutes. Donc, on va voir pour l'installer, le configurer et tout ça. Donc, je pense qu'il faut que j'allume par l'arrière. Hop. Donc voilà, il est en on. Moi, je vais faire ajouter un appareil. Donc c'est le D5S. Donc vérifier que là, assurer qu'il est allumé. Oui, on appuie longtemps sur les deux boutons. Sur les deux boutons. Après 5 secondes. Une. Voilà. L'aspirateur a fait un petit bruit. Prochaine étape. On va lui mettre le bon Wi-Fi en 2,4 GHz. Les piles, je tiens à préciser dans cette partie-là que les piles ne sont pas fournies. Donc c'est deux piles LR3, donc c'est du classique, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc voilà. Activer l'autorisation de localiser. Donc position lorsque la pile est active. Hop, on rentre le mot de passe Wi-Fi. Donc voilà, prochaine étape, on va le connecter au Wi-Fi Ultonic. Donc voilà, c'est fait, on retourne sur l'application. Voilà, il est en cours de configuration, on va attendre. J'espère qu'il sera assez chargé. J'ai pas encore réussi à mettre les petites rotations. A priori, c'est bon, je viens de voir qu'il s'est connecté au réseau. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'application, à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble pas mal quand même à l'application Procénic. Donc voilà, nettoyage automatique, nettoyage des bords, mode standard, l'appareil en charge, l'aspiration ne peut pas être réglée, vitesse moyenne de l'eau, laveur automatique. Donc le laveur automatique n'est pas en forme Y, donc c'est juste il passe, il hop en S en gros. Le mode télécommande, recharge automatique en dessous. Donc voilà, bon là je vais essayer de voir pour le faire tourner classique. Ok, pour voir à quoi il ressemble. Nettoyage des bords. Il est un petit peu brutal. Nettoyage automatique, on va voir comment il fait. Ok, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Les vues très dégueulasses. Ok, donc je mets en pause, nettoyage de zone. Donc là, il va nettoyer la zone. C'est vraiment pas mal leur petit dessin. Donc voilà, le nettoyage de zone, s'il va faire un tour sur lui-même. Hein. Hop, recharge automatique. Voilà, ça là quand même des trucs qui est sympa parce que Procénic n'a pas. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc là on voit qu'il est en orange pour retourner à sa base. Donc j'ai pas mis les trucs à l'avant, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Je voulais pas qu'il nettoie maintenant. Donc, on peut mettre à jour a priori le firmware, consommable et maintenance, donc on voit un petit peu ce qu'il y a à mettre à jour ou pas. Hop, ça on va le mettre là. On va décaler un petit peu ça. Donc voilà pour les consommables, on peut partager l'appareil bien entendu, redémarrer l'appareil, réserver le nettoyage, donc pour le dire, va nettoyer tous les jours à X heures le nettoyage automatique. Hop. On peut message normal, donc n'en a pas. On peut y modifier son nom. On peut voir ce nettoyage effectué. On peut le localiser. Ok, fait un petit bruit un petit peu bizarre. Bref, la localisation est pas mal. On va le pousser un petit peu. Voilà. Donc voilà, je l'ai remis sur ce soc. On va voir donc interrupteur de lumière qu'on peut activer ou pas. Donc on peut le laisser, c'est pas mal. Mise à jour du firmware qu'on va mettre à jour de suite. Voilà, mise à jour, mise à niveau. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. La mise à jour s'est terminée. Donc là, a priori, ça change pas grand-chose en termes d'esthétique. Donc on va voir si l'appui n'avait pas de plan régulier. Ok, donc s'il l'a mis, non. Donc il n'a pas dû tourner assez longtemps pour mettre un enregistrement là-dedans. Donc les mises à jour sont faites. Donc on peut modifier son petit nom. Donc voilà, hop,
Donc c'est vraiment pas mal, c'est un peu une... Donc voilà, après ça ressemble à peu près à ça, hein, pour le... Bah, regardez de toute façon mes précédentes vidéos sur le Prosigni Q130T, et vous verrez que c'est à peu près pareil, à part que là c'est un peu plus gras je trouve, l'écriture est un peu plus grasse, ce qui fait que c'est un peu plus visible, et puis un peu plus propre. Après l'interface aussi d'ici, d'ici où ouais, change un petit peu, donc voilà, ça change par rapport à l'autre, c'est pas pareil. Et voilà, après ajouter un appareil du coup, on va voir. Ils n'ont pas beaucoup d'aspirateurs hein, parce qu'ils sont nouveaux sur le marché, Ultenic, nouveau sur le marché de l'aspirateur. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose ici. Donc Vicen, le H8, hop, un petit électroménager. Donc voilà, là, rien. Donc voilà, ils sont nouveaux et franchement, 219 euros cet aspirateur-là, ça a l'air de valoir le coup. Franchement, ça a l'air de valoir le coup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où c'est qu'il aspire, où c'est qu'il y a un comparatif du coup avec le 830T ou alors le M7 Pro. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne, si réellement il aspire bien. Pour le moment, j'en sais rien, je verrai, je vais la laisser charger tranquillement à 100%, puis après il va nettoyer un petit peu toute cette zone qui est assez propre quand même. Donc voilà, je vais faire un petit lavage aussi de sol, ça ne fera pas de mal au sol. Et puis voir réellement si ça vaut, s'il vaut vraiment le coup. 219 euros pour un robot aspirateur qui fait quand même pas mal de trucs, le lavage, l'aspiration. Les deux en un d'ailleurs est compatible du coup avec Amazon Alexa. Donc franchement là pas mal du tout. Après voilà, ils ont un petit peu économisé de l'argent sur les piles. Donc c'est pour ça que 219. Ils auraient rajouté peut-être deux piles en plus, ça aurait peut-être coûté 200, 220, 225 euros. Voilà. Donc franchement là c'est pas mal. Il a l'air d'être vachement bien. Après, j'ai pu remarquer là pour le peu que j'ai pu l'utiliser, comme on a vu tout à l'heure, il fonce dans les murs assez facilement et assez brutalement d'ailleurs. Donc en tout cas il a foncé dans le trépied qui filme du coup, assez brutalement quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à lâcher si vous voulez un robot aspirateur pas trop cher.